Je m'appelle Brigitte de l'atelier de Brigitte. Je vous souhaite la bienvenue. D'habitude, je vous reçois dans mon atelier, mais aujourd'hui, je veux faire différent. Je veux faire différent parce qu'on vient de changer de saison. Aujourd'hui, on est la première journée d'automne. C'est un moment de l'année où les couleurs resplendissent, où la nature se transforme. Alors, j'avais le goût de faire un vlog. Au lieu de faire un podcast, ou plutôt, j'appelle ça mon journal créatif. Alors, d'habitude, dans mon journal créatif, je vous reviens aux 4 à 6 semaines. Mais là, je vais essayer de venir vous voir quotidiennement. Je vais venir vous voir quotidiennement parce que la nature se transforme vite. Et je veux pouvoir la capter et vous l'offrir, vous montrer comment je vis dans un beau coin de pays. Alors, pour ceux qui sont en ville, genre Montréal, où est-ce que vous n'avez pas toutes ces belles couleurs-là, je veux vous les offrir, ainsi que les gens qui demeurent à l'extérieur, outre-mer. Je pense aux gens de la France, je pense aux gens de la Belgique qui me regardent et avec qui je corresponds. Je trouve que c'est une façon de partager notre quotidien que de vouloir montrer un petit peu notre environnement. Alors, je veux aussi, dans ce vlog, je ne veux pas nécessairement rentrer dans ma vie privée. Je veux surtout vous montrer mes petits bonheurs au quotidien. Mes petits bonheurs dans le sens que j'aime beaucoup tricoter, coudre. J'aime aussi cuisiner et je fais un grand potager avec lequel les légumes, c'est sûr, il faut les transformer. Alors, je vais vous rentrer un petit peu dans ce monde, ce monde-là que j'appelle mes petits bonheurs. J'ai d'autres petits bonheurs, mais j'en ai que je vais garder, puis il y en a d'autres que je vais vous partager. Alors, je vais laisser libre cours à mon imagination quotidienne. Ce ne sera pas à tous les jours identique. Je vous laisse le plaisir de découvrir mes petites vidéos au quotidien. Alors, ce matin, comme vous avez vu au début de la vidéo, un de mes petits bonheurs, c'est de tricoter après le déjeuner. Alors, j'ai toujours encore mon café que je déguste tout et souvent en écoutant un podcast. Ce matin, j'écoutais Marie-Christine qui va dévoiler son beau livre champêtre, son livre dans lequel elle a confectionné, elle a fait le design de plusieurs paires de bas, que je crois que ça va être un superbe de beau livre à acheter. Je crois aussi, oui, juste que je crois, je suis allée voir hier qu'est-ce qui se passerait au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Et il sera. Et je compte bien me procurer ce beau livre. Même que je me demande si je ne le commanderai pas pour être certaine d'en avoir un. En tout cas, alors ce matin, c'était le gilet que je tricote. C'est le gilet, un des gilets d'Isabelle Crémeur. Je vous le montre. Je suis quand même assez avancée. Je veux pas me mettre de pression, mais j'aimerais comme l'avoir fini pour le festival. Alors, j'ai quand même une bonne partie du corps de fait. Comme je ne suis pas grande, j'arrive, il me reste à peu près 5 cm à tricoter avant de faire les côtes. C'est un tricot. Ah oui, le nom du tricot, c'est le Marie-Chienne. À moins qu'on le prononce Marie-Chienne. Mais moi, je pense, en tout cas. Le Marie-Chienne d'Isabelle Crémeur. C'est une construction qui se commence de haut en bas. C'est une construction avec manches raglan. Qui a la particularité sur le devant d'avoir
tout ce beau point de blé avec une dentelle qui va être sur tout le long de la boutonnière. C'est un gilet qui se tricote très bien, qui va bien. On tricote quand même avec des aiguilles de 4 mm. Le motif, un coup qu'on a compris son rythme, se tricote sans chartre. On vient qu'on assimile assez vite le modèle. Ça fait que là, on tricote. Ça devient un tricot assez facile. Même, j'ai envie de dire, un tricot sans cerveau. Ça va bien. C'est sûr que quand rendu ici, il faut quand même avoir un petit peu plus d'attention pour ne pas oublier certaines jetées ou certaines mailles ensemble. Et le dos, c'est tout simplement du jersey. Alors, c'est le gilet, c'est certain, comme c'est un gilet qui se boutonne, alors c'est un tricot en aller-retour. Je le tricote en drops lima. Je vais vous chercher dans mon petit sac la balle. Alors, la balle lima de drops, elle est composée de 65% laine et de 35% alpaga. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Drops, je crois que c'est... Je vais essayer de vous zoomer bien comme il faut. Et un peu, la caméra ne veut pas toujours m'écouter. C'est comme celle-là. En tout cas, peu importe... Bon, peu importe. C'est pas une couleur chinée. C'est pas une couleur avec des spéculs. Elle est unie. Un beau jaune or. Une laine souple, ronde, douce. C'est pas une laine qui se défait au tricot. Ah oui, je disais que sur le site Drops offre sa laine qui a de l'alpaga, comme celle-ci, elle a 35% d'alpaga, à 40%. Alors, j'ai quand même fait quelques petits achats. Et donc, celle-ci, pour tricoter ce beau Mary Chin. Alors, j'espère, en tout cas, je veux pas me mettre de pression, mais j'aimerais bien l'avoir fini pour la fin de semaine, c'est-à-dire dans à peu près 2 semaines, je pars, une semaine, ouais, on va dire 1,5 semaine, je vais être au Festival de la Petite Laine, en passant. Vous me reconnaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Alors, si jamais on se croise au festival, j'aimerais ça qu'on puisse se dire bonjour. Alors, saluez-moi, puis ça va vraiment me faire plaisir. Alors, mais j'en parle, j'ai vraiment hâte d'aller au festival. Je vais avec une de mes amies, puis je crois que ça va être vraiment une belle fin de semaine. Bon, petite parenthèse festival faite. Je continue avec, quand je vous ai dit que je fais un vlog, c'est parce que aussi je vous ai dit que je voulais vous montrer les couleurs d'automne. Mon tricot quotidien, justement, je suis allée mettre tantôt mon novice cardigan au blocage. Il est en train de tremper. Je vais vous laisser sur ces petites images-là, le blocage de mon novice. Ça fait partie des choses que je veux terminer cette semaine. Je me mettrai pas de pression sur novice parce que c'est vraiment ça qui est pour moi le plus important. Alors, là-dessus, je vais vous laisser sur des images que je suis allée tourner tantôt. Alors, c'est pour ça que je porte mon beau alias de Isabelle Crémer, qui est chaud, 100% laine rustique. Je suis allée dehors filmer quelques images pour vous montrer ce début de nature automnale. Les feuilles commencent à rougir, à jaunir, et
la nature commence à se parer de belles couleurs. Alors là-dessus, je vais vous laisser sur ces images et aussi sur les images probablement. Tiens, je pense que pour mon repas de ce soir, je vais me concocter une petite salade de betterave et fromage feta que je vais ça va être mon accompagnement pour le reste de mon repas. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain.